va falloir t'expliquer un peu, ma grande. Formée dès l'enfance par Atlas au métier d'assassin, plus de 1000 meurtres à ton actif, t'as bien failli tuer mes deux meilleurs hommes avant qu'ils ne te capturent. On est ses meilleurs hommes. Ça me réchauffe le cœur. Oh. Alors voilà, Athéna. Je vais te poser une seule question. Et si je n'aime pas ta réponse, tu vas mourir. En joue ! Attention, je ne répéterai pas. Pourquoi ? C'est une longue histoire. Après la chute du général Nox, j'ai arpenté Pandore comme mercenaire. Un jour, un programmeur de chez Hyperion m'a proposé un boulot. Il fallait que j'aille sur la Lune, chasser une arche, jouer les héros. J'aimais pas Hyperion, mais j'avais trop faim pour refuser un job payé. Et qu'est-ce que t'as trouvé ? La violence, la folie, et un héros. Si la Légion oubliée n'avait pas attaqué Helios, on n'en serait pas là aujourd'hui. Travail. On dégaine!
J'ai une idée! C'est le moment de vérité! Désolé pour le bazar, c'est un peu craignos par ici depuis que la Légion oubliée a attaqué. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Ouvre-toi, petite porte. Jack n'est plus très loin. En avant! Défense d'Hyperion. La Légion oubliée est vraiment en train de tout saloper. Évacuation. Les chasseurs de l'Arche. Mettez-moi ça. Sauve-moi. Sauve-moi. Moi, c'est Nisha. Je suis là pour la baston. La banditeuse de bandits. Oh, j'ai hâte qu'on apprenne à mieux se connaître. En tant qu'ami, pour commencer. Allez, au secours! Je sais absolument pas d'où sortent ces soldats et pourquoi ils en veulent autant à la station, mais là, je suis coincé! C'est désormais aux mains de la Légion oubliée. Rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ça va? Trop bon sang! Tu m'as sauvé! Merci! Désolé, j'ai le cœur qui s'emballe, c'est la première fois qu'on me tire dessus. C'est marrant en fait. Écoute, ces salopards ont attaqué Helios juste après que je t'ai convoqué. Si on arrive à les repousser, on pourra partir à la recherche de cette arche. Sur la station d'Hyperion. Très bien, tu as trouvé. Un bouclier. Tout est dans le titre. Il absorbe les balles jusqu'à ce qu'il soit vide. Ensuite, pense à te planquer le temps qu'il se recharge.
Laisse-moi juste activer les commandes de défense. Juste une minute, et on aura des tourelles, des champs de force, des lasers. Ah, ces connards vont rien comprendre. Échec critique. Système de défense d'Helios brouillé. Hein? Quoi? Origine du signal de brouillage. Elpis, lune de Pandore. Oh merde, les tourelles! Neutralise les tourelles! Si on peut pas reprendre Helios, il faut évacuer. Les vaisseaux de secours sont par là. On doit à tout prix prendre le contrôle. Elle sort d'où, la dingo? Elle est à la tête des abrutis, je crois, je sais pas en fait. Mais le premier qui lui tire une balle en pleine tête aura un high five et un manoir de folie. Ok, je vais ouvrir cette porte. Les vaisseaux ne sont plus très loin. C'est pas possible. Hé, c'est leur colonel. Lance le plan, une bonne balle en pleine tronche. Bonjour, Jack. Faut qu'on trouve un autre moyen de quitter la station. Il sortait d'où, cet extraterrestre flippant? Aucune idée, mais quelque chose me dit qu'il pourrait nous tuer par la pensée, alors tu sais... Cours. Jack, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On me signale des alarmes partout sur Helios. Rien, chef. Rien du tout, non. Tout va bien, juste... une des unités claptrap qui vient d'essayer de s'accoupler avec une multiprise, chef. Est-ce que je dois te rappeler que t'es là pour observer Pandore et rien de plus? Si Helios se retrouve endommagé à cause de toi, je m'occuperai personnellement. Désolé, chef. Je passe dans un tunnel. Connard. Ah? Je vous ai traité de connard et j'avais pas raccroché. Désolé. On discutera de tout ça bientôt, John. Voilà, Elpis. Cette saleté de brouilleur est quelque part sur ce caillou fissuré, et il fiche la pagaille dans tous les super systèmes de sécurité de la station. Nom d'un prépuce! Et pourquoi vous nous attaquez, bande de crétins? Je veux cette station, et je veux sauver l'univers! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tira pas plus loin! Qu'est-ce qu'ils font, ces débiles? On n'a même pas de soldats ici, c'est des ouvriers qu'ils tuent, là! Et nous, si on s'affole pas un peu?
Ok, bon, j'ai une idée stupide. On va utiliser ce canon de tir lunaire. Suis-moi. Alors c'est quoi ce canon de tir lunaire dont t'arrêtes pas de parler? Imagine un gros canon qui bombarde des ravitaillements sur la surface de la Lune à environ 1000 km/h. On se faufile dans un conteneur et on s'enfuit par là. Ça a l'air super cool. On va mourir? J'en sais rien, mais ça ferait quand même une belle mort, pas vrai? Ils ont atteint le canon de tir lunaire! Vite! Ah, j'adore! Je ne savais pas pourquoi ces hommes de Dale voulaient tuer Jack. J'avais bien une petite idée. L'argent, la vengeance. Enfin, qui a vraiment besoin d'une raison par ici? Soyez purifiés par les flammes! Tu se tires, j'imagine? Il a laissé tomber l'exosquelette. Descendait juste d'un bus. Là, il y a des explosions et tout. Arrêtez de... On pourra entrer dans le canon depuis là-haut. Je vais appeler l'ascenseur. Allez, l'ascenseur! Bon sang, il y a un truc qui bloque l'ascenseur là-haut. Faut qu'on trouve une solution. Très bien, j'ai une idée. Je vais trafiquer le terminal de chargement. Merci de m'avoir prévenu, hein. Ok, tu vas entrer dans le cylindre de tir lunaire et monter avec. C'est le deuxième plus gros obus dans lequel je suis monté. Attends, je vais faire tourner le cylindre. C'est monté en haut. Libère l'ascenseur que je puisse te rejoindre.
s'est bien fait coincer. En même temps, c'est pas grave, ils ressentent pas la douleur. Dégage-le de là. Je m'emmerde, ces porteurs. Pas étonnant que Dalle nous ait ratatiné. J'ai besoin de plus de soldats. Des brutasses, dans ton genre. On a réussi, très bien. Suffit juste qu'on entre dans un contenu. La plaie d'Hyperion ne doit pas! Peut-être on aura tué ce débile. Un vrai talent. Super. Très bien. Ça fait deux fois que tu me sauves la vie. Maintenant, faut qu'on... Ah, mais qu'est-ce que... Mais les commandes sont endommagées! Faut que quelqu'un reste là pour lancer les vaisseaux! Je dirais bien Nisha, mais t'es bien trop jolie pour mourir. C'est pas le genre de truc qui marche sur moi, Cowboy. Très bien, nouveau plan. Je reste là, j'ai besoin que tu ailles. Tu dois trouver ce brouilleur et le neutraliser, ou on reprendra jamais le contrôle de la base, et on peut dire adieu! À cette marche. T'es bien sûr? Tu risques de mourir ici. Tu m'as bien sauvé deux fois la vie, c'est mon tour maintenant. Et puis je suis un héros, moi. Et un héros, ça passe son temps à se sacrifier. Ah, super, un distributeur de santé. J'en ai fait installer un suite à un accident. Un ouvrier avait perdu son... torse. Pense à te soigner avant de descendre sur la Lune. Tu peux aussi récupérer des munitions, tu en trouveras juste là. On fasse monter un conteneur de tir lunaire. D'habitude, on y charge du matériel, mais cette fois, ce sera toi. Ok, ce conteneur devrait faire l'affaire. Je te charge dans la chambre de livraison. Ça va être bruyant et aussi un peu génial. Tu veux dire que Jack, le beau Jack, le même type qui a tué mon copain, est resté en arrière pendant que tu fuyais? Tu parles. C'est ça. Je ne saurais pas vous dire s'il a fait ça par héroïsme ou par pure stratégie. Mais si Jack n'était pas resté en arrière pour éjecter le vaisseau, je serais morte sur Helios. Ton histoire me rendrait presque le beau Jack sympathique. J'aime pas ça du tout. Très bien, on est prêt à tirer. Dès que tu le sens, je t'envoie à Concordia. C'est la plus grande ville d'Elpis. Je connais quelqu'un là-bas qui pourra t'aider à trouver ce brouilleur. Le voilà! Ouvre le feu!